Et bonjour à tous, on se retrouve pour la sixième manche du championnat 1997 sur le circuit d'Espagne en Catalogne. Mais on est un petit peu près, synchronisé par rapport au championnat 2006 d'ailleurs. On va du coup démarrer la session. Et cette fois-ci, je fais un pari un petit peu différent qui est de baisser les ailerons au maximum. Enfin, maximum. Je suis à 50%. J'avais fait des essais à 70% qui se passaient plutôt bien. Mais je me dis qu'en course, peut-être que le manque de vitesse qui est déjà cruel avec la voiture. Si je baisse les ailerons, bon, bah, potentiellement j'aurai peut-être un peu de mal à tourner, mais en vitesse de pointe, ça sera un peu mieux. Donc on va lancer les qualifications, on verra ce que ça donne. Sachant que ça va être encore une fois une purge. À Monaco, on s'en était bien sorti, mais c'est un petit peu différent, le circuit était très très étriqué. Là, on est sur un circuit assez normal, on va dire. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile. On verra les meilleurs temps, mais je pense que les meilleurs temps sont en dessous des 1.20. On va peut-être attendre 1.17, 1.18 pour les équipes. Voilà, alors il y a possibilité de le prendre à fond celui-là, mais il faut vraiment bien l'enchaîner dès le début, sinon on est obligé de ralentir. Et aussi un autre virage qui est possible à prendre à fond, mais ça c'est vraiment une chance sur 10. Donc pour le moment, on va essayer de faire des temps corrects, hein, mais bon, je suis pas sûr qu'on fasse un temps spécialement bon. En 6 ou 7 secondes. Ici, par exemple, on peut quasiment le prendre à fond, mais il faut vraiment prendre l'angle au bon endroit. La ressortie est bonne, ici le prendre à fond c'est impossible, hein. Là je peux le prendre à fond voilà, que comme ça, mais c'est très difficile de renchaîner à fond celui-là, surtout avec le manque d'appui. Bon, c'est un tour très moyen, 21.6, il faudrait vraiment que je descende sous les 20, tant vous dire qu'on est assez loin de pouvoir le faire. C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire. Ah, je sais, merci. Et voilà, la sortie trop. J'ai perdu trop de temps. Il est déjà en retard au premier temps intermédiaire. Alors cette dixième ça se rattrape mais faudra vraiment pas faire d'erreur. Voilà, si ça sert trop fort, j'ai pas assez de grip. Là aussi, cette chicane, il y a moyen de la prendre vite. Voilà, tant que je reste dans les 200 km/h aussi, ici là, c'est pas mal. Il faut pas que je tombe en dessous. Je regarde les temps de qualification maintenant. Sur cette portion, il est en retard par rapport au meilleur tour qu'il ait fait. On va bientôt avoir le temps des autres équipes. Qui devrait être là. Voilà, Villeneuve en 1.15. Regardez, je suis déjà 6 secondes. C'est vraiment scandaleux. Même si je tombe en dessous des 1.20, je perds 5 secondes. Quoi. C'est totalement n'importe quoi. Avec la règle des 107% des dernières années, nous voyons que les écuries du Front Grid ont dû consacrer plus d'efforts et de temps pour s'assurer qu'elles étaient compétitives. C'est la raison pour laquelle l'écart entre les temps de qualification des écuries de pointe et de celles du Front Grid est nettement réduit. Okay, on va essayer. Jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent. C'est plus lent que son meilleur résultat au premier temps intermédiaire. Oh, c'est un très très lent d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je mette les ailerons à zéro, voir ce que ça donne. Troisième vitesse, il passe la cinquième. Cinquième vitesse. Bon, je me fais moins ramarrer aussi vite que d'habitude, mais. C'est plus lent que son meilleur tour de qualification aujourd'hui. Voilà, sinon, ce que je voulais faire, c'est le laisser passer. Il passe la troisième. Troisième vitesse. Quatrième vitesse. Oh, mais il rentre au stand. Super. Allez, on va tenter. J'ai réussi à le prendre à fond, c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent. Il enregistre un meilleur chrono au premier temps intermédiaire.
Ah, je l'ai pas pris assez vite. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il améliore ses performances personnelles, mais reste encore derrière le leader des qualifications. Ouais, largement. Tellement loin du leader. J'arrive même pas à sortir à 200 km. Oula, qu'est-ce que je suis loin, une 21.6. Il est en retard au premier temps intermédiaire, mais plus rapide qu'il ne l'était lors de sa meilleure performance. C'est surtout ça le plus important. C'est d'être devant le temps d'avant. Il peut encore être bon, et c'est son cas. Eh non. C'est salaud. Oh non, il s'est fracassé dans le rail. J'espère qu'il n'est pas gravement blessé. Regardez ça. Salaud. Il a fini par quitter la piste pour se retrouver dans l'herbe. Oui, on peut le prendre à 210 celui-là. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. En fait, c'est plus lent que son meilleur tour de qualification aujourd'hui. Bon, on va refaire une tentative et si on n'y arrive pas, tant pis. Hein. Au moins, on aura essayé. Là, je ressors à 216, 220, c'est déjà beaucoup mieux. Là, si j'ai une tous les secteurs, je peux faire une seconde de mieux, mais pas faut-il pouvoir le faire. Il y a Lizzie qui a fait mieux. Troisième. Quatrième vitesse. Il est déjà en retard au premier intermédiaire et il fait même moins bien que lors de ses meilleures performances. Seconde. Troisième. Quatrième vitesse. Il rétrograde en seconde. Non, j'en dis trop. Je regarde les temps de qualification maintenant. C'est un bon deuxième intermédiaire. Pas le plus rapide que nous ayons vu, mais honnête tout de même. A priori, pousser une voiture de course au maximum de ses limites est plus une question de tête que de cœur. Mais sur la piste aujourd'hui, il y a la performance. Je sors à 200, c'est pas trop mal. Oh, mais je suis super loin, là, une 22.4. Quand je sais, j'ai réussi à faire une 20, quoi. Il a fait un travail fantastique. Je regarde les temps de qualification maintenant. Il va moins vite que le meilleur temps au premier intermédiaire, mais il améliore ses chronos personnels. Il faut vraiment doser le freinage, hein. C'est le plus difficile. Je regarde les temps de qualification maintenant. C'est un bon deuxième intermédiaire. Pas le plus rapide que nous ayons vu, mais honnête tout de même. Ah, j'ai pas réussi à tenir la vitesse, malheureusement. Allez, une 20.0, 21.0. C'est le jeu de la bataille des qualifications inutiles. Puisqu'on sait très bien qu'en course, après on va se rouler dessus. Ah non, ça passera pas. Eh bien, s'il veut améliorer ses temps précédents, il va devoir faire un effort sur le reste du tour. Ouais, j'ai tout perdu. Bon, c'est pas grave, on va faire fin de qualification. J'ai déjà plus de pouces. Nous sommes à deux doigts du départ. Et du coup, on va partir dernier, voilà, ça avait vachement d'intérêt. Hein. Les feux rouges commencent à s'allumer. Et donc c'est parti pour ce Grand Prix d'Espagne.
Alors au départ ça bouchonne un petit peu, les deux Rose qui se sont loupés d'ailleurs en qualification. Alors ça, mon seul avantage c'est que j'ai de la vitesse de pointe, enfin un peu. Oula. Ouais, en même temps ça s'est bouchonné devant, je pouvais pas vraiment faire grand chose. Ah bah là c'est sûr. Nous voilà dans le deuxième tour maintenant. En plus la McLaren est super rapide, si je me souviens bien, en ligne droite. Il cède du terrain. Ah bah bien sûr que je cède du terrain, regardez, 6 secondes de retard déjà. En l'espace d'un tour. Voyons comment se compose le classement maintenant. Et tout le monde recolle d'ailleurs. Je suis plus lent que tout le monde. Williams numéro 1. Troisième. Michael Schumacher. En quatrième. Eddie Irvine. Cinquième. Jean Alesi. En sixième position. Gerhard Berger. Il recule un peu. Je sais pas, quasiment 2 secondes par secteur. C'est le troisième tour. Ouais, je tourne 3 secondes plus lentement que Trulli. C'est Trulli sur la Prost, hein, je le redigérerai à nouveau, mais c'est qu'il est pas sur la Minardi. Il cède du terrain. Et voilà, je bouchonne tout le monde. Hein. J'ai les 22, enfin les 22, tous les autres quoi, qui sont plus rapides que moi. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Franchement. Neuvième, Olivier Panis. À la dixième place. Mika Salo. 11e. Nicolas Larini. Il y a même là le Tyrell qui est juste derrière, je lui donne l'inspiration. Il vient de heurter Larini. Et ça permet de laisser passer mon équipier. Je vais d'ailleurs, je pense. Je pense laisser passer, si je peux. Il s'échappe. Ce serait pas mal. Peut-être le laisser dépasser. Je ne peux pas y croire. Voilà, maintenant à nous de... On va le laisser partir. Et Verstappen l'a doublé à son tour. Faut le travail d'équipe, on sait jamais. Je regarde les temps autour maintenant. Il n'arrive pas à suivre l'allure que lui impose le leader de la course. Ce jeune homme est un pilote étonnant. Ce qui est marrant, c'est que j'arrive mieux à le prendre en course que... Nous en sommes à la mi-course maintenant. Qu'en essai. Classement de la course. À la première place, Hans-Harald Frenzen. En deuxième position, Williams numéro 1. À la troisième place, Jean Alesi. En quatrième position, Michael Schumacher. À la cinquième place,
Eddie Irvine. Sixième, Gerhard Berger. Il cède du terrain. Mon coéquipier a déjà mis 5 secondes. Il cède du terrain. Il a cédé une place à Nakano. Bon, je vois pas tenir plus là. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 7ème place, Olivier Panis. À la 8ème place, Giancarlo Fisichella. 9ème, Ralf Schumacher. Bon, alors il fallait peut-être mettre 40% d'aileron, pas 50. On tentera peut-être ça pour le Grand Prix d'Autriche. Mettre les ailerons presque au minimum. Certes, il y a deux virages un peu rapides, mais ça pourrait marcher. Voir le Canada, hein, ça pourrait être pas mal. La distance s'accroît. Faut que je reste sur la trajectoire, hein. De toute façon, si je veux pas qu'il me double. Il s'en tire extraordinairement bien malgré son manque d'expérience. J'ai presque pu le prendre à fond. J'ai pas tenté, mais j'aurais presque pu. Il recule un peu. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Hans-Harald Frentzen. À la deuxième place, Williams numéro 1. À la troisième place, attention, ça va couper d'un coup, vous allez voir. Quatrième position, Michael Schumacher. Que s'est-il passé? Non. Toujours aussi drôle de le remettre en avant. En cinquième, Eddie Irvine. En sixième position, Gerhard Berger. Il recule un peu. Presque à fond. La distance s'accroît. Il vient de heurter Johnny Herbert. Il s'est fait dépasser par Herbert. Les ailerons avant de ces voitures ont dû être modifiés ces dernières années. Ils sont maintenant plus épais et plus arrondis aux extrémités de façon à diminuer le risque de crevaison. 15 secondes de retard sur Nakano. C'est l'avant-dernier tour. Au revoir les Minardi. Regardons le classement de la course aux places suivantes. C'est vraiment de comparer ce championnat avec toutes les autres voitures. Pour le temps qu'on ferait. Peut-être que je le ferai ça. Je peux faire une vidéo à part. On prendra un circuit, peut-être celui-là. Et on. Je comparerai par exemple la Stewart, la Minardi, la. La Tyrrell justement. Et la Rose. Pour voir laquelle s'en sort le mieux avec les réglages équivalents. Il recule un peu.
voir s'il y a vraiment une différence. Oh là là là, c'était scandale. Yukio Katayama a réussi à passer. Et maintenant, il attaque son dernier tour. Non mais regardez le vent qu'elle me met. Il doit être à 310, hein. Je vois pas d'autre... Et en plus, ils étaient juste dans une droite d'arrivée déjà, les leaders. Et Frenzen qui remporte la course. Williams, numéro 1. Troisième. Bon, en fait, peu importe le virage, c'est trop lent, quoi. On tentera le 0%, je pense que pas d'autre solution. Même si en off, je vais pas refaire la course, voir ce que ça donne. À ce moment, il faut pas d'aileron. Il recule un peu. Ou alors faut jouer au volant Matkadz. J'avais déjà d'ailleurs à l'époque. J'avais essayé Formula 1, c'était impossible, mais après j'étais trop jeune. Youpi! Mika Salo. Bon, ben voilà. Hein. Comme prévu. Je vais juste voir si Mika Salo par hasard. Non, il n'est pas réussi à remonter, il était trop loin. En plus, on voit que les 6 premiers, c'est dommage, hein, par rapport à la version 95, on voit que les 6 premiers, on voyait les 10. À la version, la première version. J'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Alors, Frenzen remporte la course devant Villeneuve. Allez-y, Schumacher, Irvine, Berger. On est 5e au championnat. On a juste dit Irvine derrière nous. Schumacher en tête, mais plus qu'à 5 points de Frenzen. Villeneuve 22. Ok, donc c'est un peu loin. Williams prend la tête du championnat du coup devant Ferrari. Benetton 3e. On reste 4e. Jordan et McLaren encore un peu loin. 5e et 6e. Et ben, on se retrouvera au Grand Prix du Canada où on mettra aucun aileron, voir ce que ça donne. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite du championnat. Ciao tout le monde.